Ça, on fait notre coming out. On en est deux, Laurent, mon associé, moi-même, Vincent. Donc nous, on vient du milieu de l'édition logicielle à la base. Et on se diversifie, on va dire, pour justement, on souhaite mettre en place une plateforme pour que les sportifs puissent se retrouver et faire des sorties. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on souhaite atteindre comme objectif. Après, pour en arriver là, on sait que c'est un chemin assez compliqué parce qu'on a un modèle qui est basé sur la masse. Donc il faut qu'il y ait beaucoup de monde pour que ça fonctionne. Et du coup, pour en arriver là, eh ben, on se diversifie aussi sur la partie professionnelle. Donc, je vais essayer de Laurent parler de la partie professionnelle. Donc comment amener des utilisateurs vers notre plateforme et comment faciliter leur accès? On mise sur le fait que notre métier, c'est l'édition logicielle, qu'on comprend a priori plutôt bien les besoins métiers des professionnels pour leur proposer un ensemble de solutions. Et donc pour le coup, comme on est dans le sport, on va proposer un ensemble de solutions pour gérer la clientèle, le planning et bien sûr tout ce qui est règlement aux professionnels. Ces solutions vont leur permettre de générer un site web complètement gratuitement, d'accéder à une application complètement gratuitement. On est vraiment sur un modèle freemium. Une base complètement gratuite et un ensemble de services et d'options qui permettent de compléter l'ensemble. C'est d'autant plus important vis-à-vis des professionnels que notre cible, c'est pas faire de l'argent avec eux, c'est vraiment amener les particuliers vers notre plateforme. Donc on n'est pas encore créé, nous, on est encore en incubation, on est encore en antécréation et on a pour objectif de créer l'entreprise cet été pour un lancement en fin août, début septembre, profiter de la rentrée, puisque c'est le meilleur moment a priori pour se lancer. Voilà. Mais l'argent vient d'où?